finaliser ce portrait qui a été fait de Nizami Ganjavi, voici quelques citations de grands poètes et de penseurs. Nizami est le dieu de la poésie. Rafes et Saadi sont ses prophètes. Jami. Parmi les 14 grands poètes de l'Orient, 7 sont les plus connus. Parmi eux, le plus célèbre est Nizami. Goethe. L'Allemagne possède de grands poètes. Pourtant, ils ne sont rien comparés à Nizami. Heinrich Heine. L'art de Nizami est si grand et d'un poids si important que pour le mesurer, il faudrait une balance grande comme le ciel et des poids aussi énormes que le globe terrestre. Ali Chernavoy. La puissance poétique, la profondeur philosophique, les idées humanistes des œuvres de Nizami suscitent notre admiration. Le peuple azerbaïdjanais peut être fier d'avoir offert au monde, il y a 8 siècles, un poète aussi génial que Nizami. L'académicien Athanas Ventlova. Assez parlé. Place à la musique et au chant. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les deux premiers artistes, Ramil Kazimov et Elnara Kebelinskaya. Thank you.
Régnait donc au pays fortuné de Barda une souveraine du nom de Nouchabé. Cette femme d'esprit, de courage et de tête dépassait en beauté le faisan le plus bel. Gente biche fuyant les affronts du soleil, elle goûtait le vin, aimait les fêtes. Sa taille était mince, douce étaient ses mœurs. 300 jolies vierges formaient sa suite aimable, et quant à Lot, on voulait marquer les honneurs, aux jolies filles se joignaient autant de connétables. Et quoique son armée comptât 30 000 hommes, tous jeunes et bien faits, tous admis à la cour, pas un seul ne fut dans le secret de la dame. Femme en ce royaume gouverna de toujours. Jamais un homme ne fut instruit de sa bouche. Sur son palais régnaient des pucelles farouches ayant la compétence et le savoir requis, réglant la chose publique sans hiérarchie. Les esclaves en ce royaume avaient leur toit dans des villages si à l'écart de la ville, et, craignant de troubler la paix de Nouchabé, nul ne franchissait les murs de sa citadelle. Mais qu'ordre fut donné de former les armées, les hommes pour leur reine allaient se sacrifier. Or, c'est ce royaume qu'Alexandre investit. Là, sa troupe planta la nuée de ses tentes, et jugeant aimable la vie de ce pays, riche ses champs de seigle et ses eaux abondantes, il voulut connaître le seigneur de ces lieux. Il s'informa du nom de ce souverain heureux. Tous les biens que voilà, lui fut-il répondu, ces champs, cette cité, sont l'avoir d'une reine, dame plus vaillante que tous les capitaines. Plus que père joli, paragon de vertu, nul ne l'égale en esprit, en valeur, en gloire. Rendant à ses sujets justice et protection, elle s'adoube et manie l'astre en perfection, car se dit de sang d'illustre mémoire. Cette reine en tout lieu paraît sous la couronne, sans en consulter un, elle régit ses hommes. Ses esclaves joignent au nombre le courage, mais jamais aucun d'eux n'aperçut son visage. Sans recours masculin règne ainsi cette Diane, entourée de vierges au sein lourd et diaphane. Tel est Alexandre, le seigneur de Barda. Sache son nom, ô conquérant, c'est Nouchabé. C'était un extrait du chapitre La campagne d'Alexandre à Béra, son entrevue avec Nouchabé, souveraine de ce royaume. Oh,
Şerne şayan olacaksın.
Thank you.
Si vous êtes des humains, alors mêlez-vous aux hommes. Comme l'humain va à l'humain, l'humain s'adapte à l'humain. Et puisque ce monde nous est prêté à terme, au moins tâchons de rendre heureux le proche ami. La vie est capricieuse. Entendons bien ceci. Soucions-nous d'être bons, de secourir autrui. Bel ange, sucre suave, me soit ton mot. Ta douce main me soit le remède à tous les maux. Ta joue m'est une rose, elle éclaire les cieux. Dans le doute infernal me jette ton cheveu. Que mes yeux ne te reverront jamais plus, comment dans mon sang vif au point de baignerai-je?
rouge est un ornement magnifique. Du rouge, le rubis tire sa valeur. L'or, dont l'autre nom est sulfure rouge, n'a de plus bel atour que le vermeil. Le sang, qui est étroitement lié au cœur, est rouge à cette énergie toute vitale qu'il contient. Que quiconque qui possède quelque beauté, l'incarnat du teint est source de cet éclat. La rose pourpre ne serait pas reine au jardin si elle n'était pas à ce point rouge. Quand fut achevée cette étonnante histoire, l'air était empli du parfum de rose rouge. Le visage de Bamra, assez rose et pendu, éclairé, tel le vin vermeil et généreux. Il tendit la main vers la rose pourpre, l'attira à lui et s'endormit d'un doux sommeil. Extrait des 7 portraits, Nizami Ganjavi. Thank you.
Mm-hmm.